Donc voilà, c'est comme ça. Bien. Et en continuant, ici, nous avons des portes qui mènent à un sas très hasardeux et mystérieux. Ici, nous continuons vers des escaliers. Et ici, nous tombons sur la chambre commune, moitié bleue, moitié rose. Voilà, nous tombons sur la chambre commune, moitié bleue, moitié rose. Et ici, pour la première fois dans Secret Story, il y a, dans Secret Story Playmobil, il y a un deuxième, il y a un étage. Mais surtout, un balcon. Un balcon où le matin, les candidats pourront se reposer et manger. Et manger leur petit déjeuner. Ils pourront déjeuner. Par ce balcon, ils auront une vue magnifique. Alors, où se cache l'écart? Où se cache le hasard? À quoi nous attend cette saison? On ne sait pas. C'est tout pour le moment. Bien, on vous remercie la voix. Maintenant, mon parent, ce plateau, il est rouge et moi, j'aime pas trop le rouge. Non, je rigole, j'adore le rouge. Mais ça va pas du tout. Enfin, le plateau, il est assorti à mes vêtements. Mais du coup, on voit pas trop mes vêtements. On pourrait faire un parfait fond. Enfin, fond rouge, du coup. Donc, nous allons donc accueillir les premiers candidats. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Romain, vous faites quoi? J'ai oublié que je devais partir. Je dois aller à un mariage, c'est vrai, putain. Je peux même pas avoir le premier candidat, c'est une blague. Hein. Bon, restez avec nous et regardez. Le premier candidat, c'est parti. En fait, je ne sais pas. Je ne sais même pas où ils vont atterrir, étant donné que c'est la saison du hasard. Donc, on ne sait pas où ils vont atterrir. On n'en a aucune idée. C'est parti. Bon, alors... Romain a quand même dû partir à l'annonce des deux premiers candidats. Je tiens à dire que c'est une saison All-Star. Et donc, ils ont participé à des saisons, à d'anciennes saisons. Donc, tous les deux, ils ont participé tous les deux à la saison 30. On les accueille. Voici Henri et Tina. Tina qui ressemble énormément à Julia Nuken. Sauf qu'en fait, bah, Julia, et bah, ça fait très longtemps qu'elle lui ressemble. Et puis voilà, hein. Hello, hello, bonjour, bonjour Henri et bonjour Tina, bonjour, moi, est-ce que vous allez bien? On va super bien et toi? Super bien, alors il me semble que tous les deux vous étiez en couple dans l'aventure, oui, bien, alors Tina vous étiez en couple avec Maximilien, ce n'est plus le cas. Ah, vous n'êtes plus en couple? Non, pourtant vous formiez un très joli couple. Ouais, mais il me gavait. Trop, non. Et vous, Henri, avec Sophie? Sophie, elle est trop chante avec sa voix. Ok. Vous êtes quitté, logiquement. Exactement. Ok. Donc, est-ce que vous voulez... ah ben non, quand même, vous avez un secret personnel. Bien, vous pouvez entrer dans la maison. Merci. Allez. Ah, donc c'est là, voilà, c'est la passerelle. Salut, salut. Bien, pendant qu'ils arrivent dans la maison, nous, on va regarder les deux premiers secrets, c'est parti. Notre candidat a beau avoir vécu une expérience paranormale, cette expérience ne le changera jamais. Le secret de notre candidat est... J'ai fait une rencontre avec un extraterrestre. Waouh, c'est un secret impressionnant. J'ai rencontré un extraterrestre. Cela dit, on m'annonce dans mon oreillette que ça y est, Tina et Henri sont arrivés. Eh bien, on peut les accueillir, quoi. Voilà. Voilà tout. Bonjour Tina, bonjour Henri, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bien, vous pouvez rentrer dans la maison. C'est tout. Pour le moment. Enfin, c'est Suzanne là qui parle. Donc voilà. Ok. Ah oui, aussi. La voix a un truc à dire. Ici, la voix. Interdiction d'entrer dans les chambres jusqu'à la fin du prime. Dans les chambres? Oui, c'est en haut. Ah, il y a un étage? Oh, c'est trop bien! C'est trop cool! C'est trop cool, ça, j'adore.
Oh my godness, mais c'est magnifique. Oh, le distributeur d'argent, mon chouchou, mon amour. Oui. Oh là là, les transats et tout. J'avoue, j'adore, mais c'est magnifique. Allez, on s'en fout, on va tout visiter. Sans les autres, là, vas-y. Ouais. Du coup, toi, t'es célibataire, du coup. Ouais, j'ai fait une aventure célibataire. Toi qui étais en couple déjà. Moi, mon secret, c'était nul, c'est de la merde. Je suis en couple avec Sophie. Non, mais sérieusement. Ok. On pourrait peut-être tenter quelque chose tous les deux, nous, dans l'aventure. Nous deux, dans l'aventure. Bah ouais, pourquoi pas. Aïe! Tu viens? Ouais, j'arrive. Ça va être une aventure de fou. Oh, le tableau des cartes! Viens voir. Ouais, quoi? Regarde ça. Regarde. Ah ouais. Faut trouver les cartes. Ouais, bon, pour l'instant, on va pas le faire. Hein. Bah ouais. Mais bon, ce sera une bonne activité pour faire plus tard. Oh, regarde comme c'est magnifique. Oh, le salon! Putain, le salon, il est grave beau. Hein. Putain, j'adore, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf, ouf. Kiffe de ouf, ouf, ouf. Kiffe de ouf, ouf. Ah, kiffe de ouf, ouf, ouf. Ah, putain. Ah, mais. N'est pas aller voir la pièce là-bas avec les vitraux. Oh, c'est pas grave. Ouais, bon, on va discuter, hein. Oh, elle est trop bonne, la piscine. Ouais. En vrai, je t'ai toujours préféré à Maximilien. En plus, toi, t'étais grave, beaucoup plus beau. Il était pas bronzé. C'est le bronzage. Ah, c'est le bronzage. Pardon, excusez-moi. On va aller regarder. Alors, est-ce que le secret qu'on a découvert précédemment appartient au nouveau candidat qu'on va découvrir? C'est ce qu'on va voir. Bien, on va accueillir les deux nouveaux candidats. C'est parti. Ils arrivent. Waouh, mais c'est super. Oh putain. Ben bonsoir à vous deux. Bonsoir Élise et bonsoir Thibaut. Bonsoir. Enfin bonjour du coup. Ouais. Donc, Élise, star internationale de la chaîne Plumeau Pompette, présentatrice et tout. Élise, votre grand retour dans SSP en plus. Franchement, voilà, bon. Vous n'avez pas une réputation très, très élégante pour le reste de la maison. Ouais, ben j'espère que vous ne venez pas me faire trop d'ennemis. Oui, ben on espère pour vous. Et vous, Thibaut, ben, saison 64, vous êtes le plus jeune dans les SSP. Merci. D'accord. Alors, pourquoi vous prenez vos distances avec Élise? Je sais pas, j'aime pas les menteuses. Ah d'accord. Bon, ben... Vous en avez déjà un qui vous déteste? Oui, ben... Après, j'ai gardé contact avec personne de la saison 30, par exemple, donc j'espère qu'on m'en voudra pas trop. Saison 40 et quelques, si. Je crois, ouais. Saison 38. Ouais, aussi. La première fois, j'ai apparu à l'écran. Ouais, vous avez apparu deux fois à l'écran, en tout. Bon, et ben, je vais vous laisser rentrer. Ouais, par contre, on rentre où? Là-bas. Ah, mais moi, je rentre pas dans cet ascenseur avec elle, hein. C'est mort. Je ne l'aime pas. Thibaut, vous n'allez pas faire votre caprice, surtout que si vous ne rentrez pas avec elle, c'est clair, net et précis, vous ne rentrez pas. On a d'autres candidats qui auraient bien voulu participer à cette saison. Oui, voilà, exactement. Si vous voulez pas venir, on fait intégrer Loïc. Et moi alors? On se passera d'un cassos, Nico. On s'en passera, on s'en passera. Pff, ok. Merci. Putain, pendant 5 secondes, j'ai vraiment cru qu'on allait faire entrer Loïc dans l'aventure à la place de Thibaut. Trop tard, vous avez déjà fait le générique. Et alors, c'est pas un problème. Hein. On peut le modifier, le générique. Hein. Aïe. Bien. On m'annonce dans mon oreillette qu'ils sont arrivés. On les accueille. Ici, Suzanne, vous m'entendez? Oui, oui. Ici, là, vous. Donc, ici, Suzanne, Élise, Thibaut, vous pouvez rentrer dans la maison. C'est tout pour le moment. Ok, merci, là, vous. Suzanne. Toi, c'est qui que t'espères pas voir? Bah, moi, j'espère pas voir, comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Élise, celle qui s'était fait passer pour Adèle Mussli, là. Ah ouais, l'imposteuse, là, j'aime pas. Bonsoir. Ah, bonjour. Tina, enchantée. Thibaut, enchantée. T'étais un peu une plante verte, toi, non? Ouais, un peu, mais c'est pas grave, tu vois.
T'es toujours avec Jessica? Ouais. Ok. Par contre, je vous dis, il y a une grosse pute. Une grosse impostrice. C'est qui? Bonjour. Oh non, mais c'est une blague! Non, mais putain! Non, mais c'est une blague, cette grosse pute là! Cette grosse pute! Écoute, Tina, c'est moi, enfin, Élise. Non! Non, mais je m'en fous en fait! Tu t'es fait passer pour Adèle Mussely pendant un an! À un moment donné, faut arrêter, wesh! Faut arrêter! Faut arrêter, wesh! T'es qu'une grosse pute! Tu te fais passer pour les autres, t'es qu'une grosse pute! T'es une grosse impostrice, c'est une grosse pute! Vas-y, mais dégage! Je veux même pas te voir! Attends, tu pues la merde! Tu pues la merde! Vas-y, dégage! Ah, ne touche pas. Je ne m'abaisse pas à votre niveau, je tiens simplement à le dire. C'est ça, notre niveau est beaucoup. C'est sûr que tu peux pas t'abaisser à notre niveau. Notre niveau est beaucoup plus haut que le tien. Tu es la merde, on est les stars, c'est sûr que tu peux pas t'abaisser à notre niveau. Mais nous, c'est nous qu'on va pas s'abaisser à ton niveau. Miroir, mon niveau est beaucoup trop haut pour vous. Ouais, c'est ça. Miroir, en plus, ça c'est la phrase de Sarah Arson. Grosse salope, c'est qu'une copieuse. Je m'en bats les couilles. Ça fait plaisir. Nous avons des personnes qui peuvent pas me saquer. Bon. Je cherche les cartes. Alors, je dois chercher quelle carte déjà? Ouais, carte jaune, carte violette, carte bleue, carte rose et carte grise. Voilà, c'est ça. Ici la voix. Henri au confessionnal. Ah, oh, d'accord. Grosse pute. Sait même pas cracher le mec. C'est là le confesse. Ouais, bah c'est là, ouais. Douze minutes déjà. Ici la voix, Henri. La voix va te proposer un secret et tu vas devoir dire si tu l'acceptes ou pas. Acceptes-tu ton nouveau secret qui est je suis le complice de la voix? Eh bien. Oui, j'accepte. Sachant que cette saison est sur le thème du hasard, tu vas pouvoir modifier le hasard et te faire passer pour le hasard. Henri, cette saison, tu es le hasard. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est sympa, moi je trouve. Hein. Et oui. Alors, premier truc. Donc, vois-tu, tu as vu, il y avait cette saison, il y a les cartes, le distributeur argent. Mais également, il y aura le problème du téléphone rose qui, eh bien, du téléphone rose qui va faire tout s'embouler. Mais malheureusement, c'est le hasard. Et le hasard va devoir décider lequel des trois, le hasard par le hasard va devoir décider lequel des trois va, eh bien, tout simplement être totalement éjecté de l'aventure, c'est-à-dire il n'y sera pas. Soit tu supprimes le. Ça, soit la voix fait une annonce à la fin du prime pour dire ici la voix. C'est le prime du hasard et la voix a déjà commencé. Il y a un élément qui va être supprimé de l'aventure, donc le distributeur à argent, donc plus d'argent pour vous. Les cartes, très dommage, culte dans Secret Story. Le téléphone rose, un culte aussi. Bien, Henri, quel est ton choix? La prochaine fois, ce sera certainement au hasard, mais là. Le téléphone. Le distributeur argent, ça nous fait gagner de l'argent, donc c'est cool. Les cartes, c'est très cool parce que si un de tes ennemis tombe sur une carte noire, c'est trop bien. Par contre, peuvent également tomber sur des bonnes cartes, donc voilà. Mais le téléphone rose, il est trop imprévisible et on l'aime pas, donc je supprime le téléphone rose. Bien, le téléphone rose ne sera pas dans l'aventure. Merci Henri pour avoir fait ce petit jeu. Merci. Bien, beaucoup de gens sur le plateau sont remontés parce que il n'y aura pas de téléphone rose cette saison alors que c'est quelque chose de primordial dans Secret Story.
Donc voilà, beaucoup de gens sont remontés cette saison. Beaucoup, beaucoup. Énormément. Ah, vous êtes tous remontés. Ouais! On veut le téléphone rose! 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 D'accord, si tu étais bon, on veut le téléphone rose! D'accord. Bon, sinon, vous êtes content que ce soit lui, le hasard? Non, parce que sinon, il va faire que des fois pourri et nous, ça va nous saouler. Putain, j'espère qu'il va se casser, hein. Ok, merci Shine pour votre avis très constructif. Très très constructif, merci. Putain, c'était net. Waouh. Donc, et si on faisait intégrer deux nouveaux candidats? C'est parti. Eh bien non, d'abord on va regarder la liste des secrets, c'est parti. Notre candidat adore le cheval. Malheureusement, son secret ne l'adore pas plus que ça. Le secret de notre candidat est: j'ai survécu à une chute de cheval. Notre candidat adore les fleurs, mais c'est également pour ça que son. Mais ce n'est pas pour ça que cela fait partie de son secret. Mais il a un lien. Notre candidat a un lien spécial avec les fleurs. Son secret est: je peux reconnaître n'importe quelle fleur rien qu'à son odeur. Bien, donc deux secrets assez impressionnants. Nous allons maintenant accueillir deux autres candidats et ah ben on m'annonce dans l'oreillette qui c'est. C'est donc pour ça. Pourquoi Natacha ne présente pas? Parce que vous avez peut-être vu le générique en avant-première, vous. Eh bien, Natacha participe à la saison 66. Veuillez accueillir Natacha et Chloé, la grande gagnante de Secret Story Playmobil saison 60. Bonjour. Coucou. Bonjour Natacha et bonjour Chloé. Putain. Vous allez bien? Oui. Donc vous pouvez aller là-dedans et rentrer dans la maison. Hein. Merci. Ok. Ah merde, on était censé faire les présentations des candidats. Chais. Bon, ben c'est pas grave, hein. On les fera pas. Hein. Ici la voix, Chloé, Natacha. Vous pouvez rentrer dans la maison des secrets. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Merci. T'as hâte de rentrer? Dora. Allez, on rentre. Bah ouais. Bonjour les gens. Salut. Salut, salut. Chloé, enchantée. Mouah, mouah. Chloé, mouah, mouah. Chloé, mouah, mouah. Tina, Thibaut, Henri, Natacha, enchantée. Chantez Natacha. Moi, moi, moi. Bon, il y a d'autres personnes. Ouais, il y a une grosse pute. C'est qui? Élise, tu sais, la grosse impostrice. Mais d'où tu as insulté Élise? Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes partie des personnes qui la soutenaient. Non, mais c'est sérieux ou quoi? Vas-y. C'est quoi cette histoire? Ça parle dans mon dos? Dans mon dos? Mais tais-toi, mais ta gueule, mais t'es une grosse pute! Tu t'es fait passer pour Adèle Mussely pendant un an, voire un an et demi! T'assumes pas, t'es une grosse pute, t'es une grosse salope! Et vous là, tous ceux qui soutenaient Élise là, les gros faux culs! Allez, vas-y, c'est ça! Tu crois vraiment qu'on en a quelque chose à faire, nous? Vas-y, mais ta gueule en fait! Ah ouais, d'accord, donc Chloé, en plus toi, tu dis rien. Ben, en même temps, j'ai rien à dire, je suis d'accord avec Natacha. Je sais pas. Élise, elle a rien fait de mal. Donc, à un moment donné, ta gueule, hein. Merci. Hein. Putain. Putain, mais ils sont vraiment cons, les gens, dans cette maison, hein. Pardon! Mais toi, mais je vais te sauter dessus! Oh, il faut arrêter 5 minutes. Élise, c'est une grosse pute. Faut retourner sur Terre. Ta gueule! Putain, allez, on va voir la maison. Waouh, c'est grave beau. J'avoue. Vous avez vu. Putain, mais ce sont vraiment 3 putes. Hein. 3 putes, grosses putes. Hein. Ouais. Bien, on va accueillir les deux nouveaux candidats, mais d'abord, les secrets, c'est parti. Notre candidat n'a pas un secret très, très agréable. Le secret de notre candidat est: j'ai vu mon premier amour mourir sous mes yeux. Notre candidat a beaucoup de chance, mais cette chance va peut-être être reconnue. Le secret de notre candidat est: je suis champion ou championne de piano.
Bien, j'ai vu mon premier amour mourir sous mes yeux et je suis champion ou championne de piano. Est-ce que l'un de ces deux secrets appartient à l'un de ces deux candidates? On les accueille. Bonjour. Bonjour. Bien, alors vous voilà donc Célia et Cécilia. Donc bonjour Célia, bonjour. En temps normal, je suis pas comme ça, je suis beaucoup plus belle, mais voilà quoi. D'accord, bonjour Célia. Bonjour Suzanne. Et bonjour Cécilia. Bonjour. Moi. Donc toi, Cécilia, tu as participé à la saison. Merde. Tu as participé, toi, Cécilia, à la saison 63. C'est ça. C'est exactement ça. Bien, alors vous pouvez aller dans la maison. Ok, merci. Bien. On se connecte. Quand elle arrive. Voilà, c'est bon. Ici la voix, Célia, Cécilia. Vous pouvez rentrer dans la maison. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Merci. Bonjour, bonjour. Célia enchantée, Cécilia enchantée. On est amis et tout. Okay. Salut, salut Tina, salut moi, salut moi, Thibaut, Romain, non, merde, je suis con. Henri, ok, salut moi, salut moi. Il y a d'autres personnes en bas? Ouais, il y a d'autres personnes avec nous, mais elles sont en bas. Ouais, c'est trois putes. C'est qui? Natacha, Andréani, Chloé et Élise. Élise, la grosse pute là. Ouais, et vu que Natacha et Chloé font confiance à Élise et qu'elles ont de la merde à la place des yeux, bah voilà quoi. Ah d'accord, bon, bah ok. Je prends une autre. Super. Ouais. De toute façon, Elise, c'est une grosse pute. T'as grave raison. Mais ouais. Par contre, ça me saoule parce qu'en fait, nous, on est obligé de rester dans le jardin alors que elle, juste parce que elle, elle se prélasse dans la maison. Elles sont trois. Nous, on est déjà 1, 3, 4, 5. Elles sont trois. Nous, on est déjà 5. Il y aura. C'est nous, ce seront peut-être pas les dernières personnes qui vont aller avec elle, mais elles seront genre 5 maximum. Nous, genre, on est 14, je crois, cette saison, un truc comme ça. Nous, tout le reste des gens, ils vont venir avec nous. Donc, on est plus nombreux. Non, on va les défoncer. Donc, elles vont nous laisser la place. Merci. J'avoue. Ouais. Bien, c'est extrêmement tendu. Donc, vous, dites-nous pour qui vous êtes pour l'instant. Alors, putain. Bah, moi, je suis pour. En clan, un peu en personne. Qui vous voulez. Moi, en clan, je suis pour le clan où il y a Natacha. Déjà, Natacha, c'est la vie. Et Elise, la pauvre, elle mérite pas ça. Et Chloé, bah, elle est gentille et tout. Elle a l'air sympa. Donc, elle a l'air sympatoche. Tous les autres, nous, ça a l'air d'être des cassos, des gros cassos, genre tous ensemble. Thibaut, franchement, il m'a vraiment choqué quand il a fait ça et tout. Franchement, ça m'a grave choqué. Donc, voilà, Jessica, pauvre Jessica qui regarde derrière son écran, elle doit être choquée. Bref, enfin, ce soir, elle est pour lui. Bref. Donc moi je suis pour le clan Elise, Natacha et Chloé. J'espère que ce sont qu'elles sont pas que trois dans le clan parce que franchement ça se fait pas. Elles méritent d'être plus. Ok. Moi pareil, clan Chloé, Natacha, Elise. Chloé, Natacha, Elise. Chloé, Natacha, Elise. Chloé, Natacha et Elise. Moi je suis pour le clan Célia, Cécilia, Tina, Henri et. Et Thibaut. Natacha, Chloé et Élise. Natacha, Chloé et Élise. Eh ben. D'accord, bon, et eh bien. Découvrons de nouveaux secrets, c'est parti. Bien, mais d'abord, avant de découvrir les deux prochains candidats, découvrons les deux nouveaux secrets. De nouveaux secrets, c'est parti. Ce candidat, notre candidat, a eu un lien très particulier avec la mer. Enfin, plutôt avec l'eau. Le secret de notre candidat est « J'ai failli me noyer sous la douche. » Notre candidat a eu un petit traumatisme étant petit. Son secret est « J'ai survécu à un écrasement de camion. Un camion lui a foncé dessus. J'ai survécu à ce qu'un camion me fonce dedans. » Bien, j'ai failli me noyer sous la douche et... J'ai survécu à une attaque de camion. Allez, on va marquer ça sur la liste des secrets. Bon, alors on va accueillir les deux nouveaux candidats.
Est-ce que ces secrets leur appartiennent? Voici. Voici le casseuse de la saison 1. Et un candidat de SSP 62. Voici Romy, le casseuse de la saison 1. Et Sam de SSP 62. Bonjour. Alors, je ne fais que répéter les surnoms. Hein. Romy, c'est le boulet de la saison 1. Bonjour, bonjour. Bonjour. Romy, mon ami, Nico, moi, vas-y, putain, le gros bouffon, je te déteste, Romy, t'es qu'un gros con, en plus, on était ensemble à la même saison, putain, donc, voilà, oh, mais qu'est-ce qu'elle a, toi, qu'est-ce que t'as, toi, vas-y, va te faire enculer, j'espère que tu vas partir premier, ouais, vas-y, de toute façon, t'es qu'une merde, je suis déjà moins de merde que toi, pardon, je peux te le foutre dans le cul. De toute façon, ça se voit bien que vous êtes amis avec Nico. De toute façon, vous êtes des faux culs tous les deux. C'est ça. Ouais, ouais, de toute façon, t'es trop con. T'es trop con, Romy. T'es con. T'es un boulet. T'es un cassos. C'est ça. Vas-y, ta gueule, grosse pute. C'est toi la grosse pute. On va se calmer. Et vous allez rentrer dans la maison. Ok. Putain, je l'aime pas, ce mec. Romy, Sam, Romy, veuillez rentrer dans la maison, c'est tout pour le moment. Ouais, allez, c'est super, ouais, allez, soupis, on y va. Bonjour, Sam, enchanté. Bonjour, Romy, enchanté. Oh non, le cassos de la saison 1. Quand je vous dis, il y a des grosses putes, là, Natacha, Elise, Chloé. Oh, je les déteste, elles. Bon, bah, tu fais partie de notre clan.